Je m'installe, je fais des croquis et en fait je ne sais pas ce que je veux faire. Ce que je sais, c'est que le lieu me plaît et je voudrais arriver à en tirer quelque chose. Et je me pose et là eh bien, on se confronte à des tas de trucs. Il y a des gens qui vont venir me parler peut-être, me raconter leur vie. Il y a du vent, il se met à faire froid, la lumière, etc. C'est pas ça. On était venu hier, puis c'est pas la même lumière. Mais ça fait rien. Donc il faut sortir son truc et puis il faut se lancer. Et c'est pas facile. Et on démarre. Et alors, c'est Boris Tasnitsky qui racontait ça. Et c'est tellement juste. Boris Tasnitsky racontait une histoire. Il dit un jour, j'étais jeune, je veux faire un magnifique dessin pour la fille que j'aime. Et alors, il faut évidemment que ça soit un dessin qui soit tellement beau parce que ça va exprimer tout l'amour que je ressens pour elle et tout ça. Alors, Boris le voilà parti avec son chevalet, son matériel de campagne, dans Paris pour trouver un motif. Alors, il galère, il marche, il trouve pas. Au bout de 2 heures, 3 heures, ça y est, finalement, il trouve enfin son motif. Un grand arbre magnifique. Il installe son chevalet, il y a du vent, le truc s'envole, faut courir après, le remettre, mettre de la ficelle pour que ça tienne. Enfin bon, c'est des trucs habituels. Et puis sur la feuille de dessin, après toutes ces heures de préalable, il finit par poser un trait. Et là, immédiatement, c'est la déception. C'est-à-dire que le premier trait, c'est un faux trait. Ça va pas. Forcément, ça peut pas aller. Par définition, ça n'ira jamais. Et donc, ce faux trait, ce premier trait, qui ne peut être qu'un faux trait, il faut l'assumer. Parce que, comme dit Boris, bah, une fois qu'on a posé un faux trait, on en pose un deuxième pour essayer de rattraper. Puis le deuxième, c'est aussi un faux trait. Et puis, de faux trait en faux trait, petit à petit, il y a le motif qui commence à apparaître. Et le motif qui apparaît, mais le motif qui se tisse avec l'intention qu'on a dans la tête. Donc lui, ce qui est apparu sur sa feuille de dessin, de faux trait en faux trait, c'est l'arbre qu'il avait en face de lui, mais c'est aussi l'amour qu'il avait pour cette jeune femme. Et donc le dessin qu'il a réalisé, c'était l'histoire de lui devant cet arbre avec cette intention de faire un cadeau à la femme qu'il aimait. Donc, faire du croquis en situation comme ça, c'est se confronter à cette il n'y a pas moyen d'échapper à ça. Ben déjà, le truc, c'est que ça commence par ça. C'est-à-dire que... Ben, je tourne autour du support. Et puis, en fonction du support, En fait, je sais pas ce que je veux faire, quoi. Ça commence par ça. Beaucoup d'indécision. Parce que pour démarrer quelque chose, il faut le sentir. Sinon... Et il faut commencer par sentir le support, et puis après... En fait, je raisonne beaucoup comme un peintre abstrait. Donc, c'est d'abord le support. Ce que ça va me faire sentir. Et puis après, je vais choisir
une solution technique. Et en règle générale, je vais choisir une solution technique qui est susceptible de me surprendre. C'est-à-dire typiquement pas celle qui a marché hier, quoi. Donc là, j'étais en train de me dire... j'ai eu plein de problèmes avec le bitume de Judée qui sèche pas. Du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et du coup, j'ai une appétit de retravailler avec ce bitume dont on a parlé en plus à midi. Et bon, ce qu'il y a, c'est que je sais que ça risque de... C'est que le problème, après, c'est que ça met des mois à sécher, quoi. Mais bon. Alors, le truc aussi qui est compliqué, c'est que le bitume de Judée, c'est transparent. Là, j'ai pas de blanc. Donc ça va plomber, ça va être que des valeurs foncées. Et une des règles en peinture, c'est que dans les couleurs transparentes, typiquement les glacis, dès qu'on met une pointe de blanc, ça fait du voile. Donc chez les peintres académiques disaient, il faut surtout pas mettre de blanc dans les ombres, ça salit, ça fait un voile laiteux. Et du coup, ça me donne envie d'utiliser justement que le bitume et le blanc. Voilà, c'est voilà, typiquement comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, je dis pas systématiquement que j'ai envie de faire tout ce qu'il faut pas faire, mais de prendre un parti pris au départ qui est susceptible de générer des accidents, et en priant pour que les accidents soient bien heureux, mais avec l'anxiété que ça s'enlise. Donc ça va être... C'est acrobatique. Mais ça dépend. Des fois, je fais des trucs très tranquilles. Ça m'arrive aussi d'avoir envie de faire un truc dont je sais quasiment à l'avance que ça va marcher. Alors, ça, c'est le bitume de Judée. Vas-y. Les odeurs, c'est important, les odeurs. Je ne sais pas travailler avec des trucs qui sentent pas bon. Ou alors, les trucs qui sentent pas bon que j'utilise, je finis par trouver que ça sent bon. Ça, c'est... Voilà. Puis après, bah, faut se lâcher. Et puis, aussi invraisemblable que ça paraisse, je vais me taire, parce que je parle plus quand je peins. Ça peut paraître bizarre. Pourtant, ouais. Par contre, ça va être long. Donc je fais des croquis, c'est pour enregistrer, c'est pour nourrir ma mémoire de formes différentes, de dictionnaires de toutes sortes de formes. Et après, en séance d'improvisation, tout ça, ça va ressortir par des mécanismes que je ne connais pas. Et du coup, je deviens le spectateur de tableaux qui apparaissent sous mes yeux et qui me surprennent. Je ne fais pas du tout une peinture prévu à l'avance avec un projet, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc là, par exemple, c'est vrai que j'ai une envie depuis des années de faire des vues de Paris, tout simplement parce que ma grand-mère, ma tante, elle faisait des vues de Paris, et j'ai eu accroché au mur chez moi toute ma vie des tableaux de ma grand-mère et de ma tante, avec le pont Marie, avec le bois de Boulogne, avec tout un tas de trucs comme ça. Et donc moi, gamin, j'ai été nourri de ça. Et j'ai toujours fait des vues de Paris. Et j'ai encore envie d'en faire. Mais simplement, je ne vais pas procéder de façon photographique. C'est-à-dire, je ne vais pas faire un cadrage, regarder, et puis recopier
la vue qu'il y a dans le cadrage en essayant de mimer un appareil photo. Pas du tout. Je vais faire des croquis, je nourris mon imaginaire, ma mémoire, et puis après ça ressortira, mais je sais pas comment. Ça sera la découverte. Le fait de dessiner comme ça d'après nature aussi, c'est un moyen de... Comment dire ? Tout à l'heure, je disais que on nourrit sa mémoire. C'est-à-dire, le fait de dessiner permet de s'enrichir, de s'enrichir du grand dictionnaire de la nature. C'est-à-dire de tout mémoriser. Alors, comment cette mémoire, elle fonctionne ? Ben, elle fonctionne tout simplement par la compréhension des choses. Donc, si je regarde, par exemple, cette jeune femme qui dessine, la première chose, le plus important en fait, c'est la différence de valeur qu'il y a entre l'arrière-plan qui est clair et elle qui se détache dans des valeurs de luminosité plus foncées. C'est ça qui va permettre de lire les plans. Donc quand je fais le croquis, ce que je veux faire, c'est déjà montrer, noter. Parce qu'en même temps, c'est comme de la sténodactylo. Les croquis, on n'a pas besoin de faire une photographie. Je note ça, et pour moi, ça veut dire qu'il y a un contre-jour. Et c'est ce que je vois de plus important là-dedans. Donc sur ce principe-là, après, une fois que j'ai compris ça, comme je l'ai compris, je le mémorise sans effort. Ça va rester dans ma tête et ça va faire comme une fiche qui va s'ajouter à des milliers et des milliers et des milliers d'autres fiches. Parce que toutes ces choses qui se combinent dans le cerveau et qui peuvent ressortir sans qu'on le de manière complètement intuitive, involontaire, inconsciente, j'en sais rien, et bien tout ça fonctionne grâce à la compréhension. C'est ça. J'ai quasiment déjà tout le coup. J'ai pas besoin de faire grand chose. Hein. Je fais ça. Et si je rajoute le lampadaire, ma foi, je crois qu'on a tout. Là, je dis que je pense à rien, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que là, par exemple, concrètement, je sais que suivant l'épaisseur, ça met 2 ans à sécher ou 2 jours. Et c'est vrai que quelque part, j'ai eu des tableaux qui ont mis 2 ans à sécher, ça a été vraiment pénible. Donc, je vais plutôt essayer de faire que ça sèche en 2 jours. Donc, je travaille fin, je mets pas d'épaisseur si c'est pas nécessaire. Donc c'est pas je suis pas dans le lâcher complet là. Il y a quand même la technique qui est là.
Alors, ce qu'il y a, c'est que, voilà, en principe, j'imaginais que ça allait être très très long, que j'allais barbouiller pendant longtemps, avant que quelque chose apparaisse, et puis en fait, ça apparaît tout de suite. Alors, des fois, ça fait ça, et des fois, ça marche pas. Donc, là, je sais pas, c'est une question de chance aussi. Il n'y a pas de règle. Il y a aussi que parfois ce qui apparaît ne me plaît pas, ne correspond pas à une envie que j'ai de voir apparaître la chose en question. Mais là, moi je vois. Alors, le problème c'est que est-ce que c'est moi qui vois ou est-ce que ça y est vraiment, je ne sais plus. Mais on vient de travailler sur. Je viens de travailler sur 150 dessins de Lucie en train de danser. Je viens de sortir la sculpture. Qui en découle aussi, et puis c'est une c'est la même chose, c'est ça qui ressort. Alors, est-ce que c'est la synthèse des 150 dessins? Est-ce que c'est un des dessins vu sous une autre forme? Puisque les dessins c'est que du trait, et là c'est que de la tâche. Est-ce que Lucie est vraiment là-dedans, ou est-ce que c'est moi qui fais une projection et qui l'ai dans la tête et qui le voit à partir de tâches? Suivant le principe de Léonard de Vinci qui dit regardez les tâches sur le mur et imaginez les cavaliers et tout ça. C'est sûr que Léonard de Vinci qui avait dessiné des chevaux et des anatomies et qui connaissait tout ça par cœur, quand il voit la moindre tache d'humidité sur un mur, il voit tout de suite les cavaliers et tout ça. Est-ce que quelqu'un d'autre les aurait vus? Sans doute pas. Mais là, il y a un moment donné, c'est indécidable. Est-ce que c'est moi qui le vois ou est-ce que ça y est? Et c'est quasiment une des étapes que je préfère. Moi, j'adore ça. Alors, je dis à la limite, alors si je suis un artiste contemporain qui se respecte, j'arrête, je signe, c'est fini. Mais comme j'ai pas de millions d'euros à investir pour soutenir ma cote, il va falloir que je trouve d'autres moyens de convaincre le public. Et il y a aussi Delacroix qui dit l'esquisse a un charme inouï, mais l'artiste doit avoir le courage de finir le tableau, quitte à montrer ses bornes. Voilà. Et ça, c'est le problème de la réalisation. C'est-à-dire que faire une esquisse comme ça, bien enlevée, c'est relativement facile. Ce qui est plus difficile, c'est de réaliser. Et la réalisation, ça consiste à rendre visible aux yeux des autres ce qu'on a vu soi-même dans ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que dans le travail du peintre, il y a une part du travail qui consiste à travailler pour lui, et puis après, il y a aussi une part qui consiste à faire que ce qu'il a fait pour lui, il va aussi le faire pour que ça soit vu par les autres. C'est-à-dire que la peinture, c'est pour moi en tout cas une pratique sociale. Alors, même pour les artistes contemporains, c'est-à-dire que si le moyen que j'ai de convaincre le public, c'est de bidonner des ventes aux enchères et de faire que ça se vende 50 millions de dollars, j'aurai pas besoin de le finir. L'argent aura démontré que c'est une œuvre. Alors après, moi j'ai pas les moyens de faire ça, et en plus, c'est pas forcément cohérent avec ma démarche, donc il va falloir que je trouve un autre moyen, et de trouver le juste milieu où la chose apparaît, pour moi, aussi pour les autres, sans qu'elle soit littérale. Hein, c'est-à-dire que ce que j'aime, c'est être sur le fil. Le fil, c'est le moment où la chose est suggérée et où, en fait, le spectateur va avoir à participer à la création de l'œuvre. Mais pas de façon démagogique. C'est-à-dire que finir le tableau en jouant sur une cotation élevée, ça serait pour moi une façon démagogique de terminer le tableau, dans la mesure où la conviction du public, on l'obtiendra par des manipulations économiques, etc. Moi, je suis dans l'utopie que le tableau doit se suffire à lui-même et qu'il doit être capable d'être autonome. Autonome sur le plan plastique.
J'ai aussi conscience que c'est une histoire que je me raconte. Hein. Parce que ça n'existe pas en vérité, cette autonomie-là. C'est une autonomie imaginaire. Mais tout ce qui apparaît dans le tableau est de l'ordre de l'imaginaire. Il y a aussi une sorte de vision mystique, c'est que une forme de mysticisme, c'est que je me raconte l'histoire que le tableau est déjà là, que le personnage qui apparaît, il est déjà là, et qu'en fait je fais juste que révéler comme en photographie, on met du papier dans le révélateur et l'image apparaît, l'image latente. C'est un peu l'histoire que je me raconte et c'est le ressenti, c'est-à-dire que là, quand je peins, j'ai la sensation que le pinceau ne peint pas, qu'il passe sur un trait qui est déjà fait. Et que si le pinceau passe sur un trait qui est déjà fait, il faut faire attention de ne pas foutre de la peinture par-dessus. Donc le sentiment que j'ai, c'est plutôt qu'il faudrait éviter de peindre par-dessus le tableau qui est déjà fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc ça amène une sorte de façon de peindre très sensuelle, où en fait je caresse la toile. Et je respecte l'espace. Il y a une continuité complète entre la toile vierge et toutes les formes qui ont commencé à apparaître. Ça doit pas faire une tache, au sens un cheveu sur la soupe, quoi. Tout doit s'inscrire, chaque tache, chaque forme doit s'inscrire dans les plans, dans l'espace qui est là. Mais pourquoi se priver ? C'est beau ici, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus dessiner des lieux comme ça ? Qu'on ne peut plus être dans la jouissance de ces lieux-là ? Ben, y a quelqu'un qui l'a très bien expliqué. C'est un monsieur qui s'appelait Roland Barthes, philosophe, et qui dans un texte qui s'appelle la leçon inaugurale, qui est le texte qu'il a lu quand il est rentré au Collège de France, il a cette phrase magnifique. Il dit « Le système s'emploie à confisquer toute jouissance pour en faire des plus-values. » Le système s'emploie à confisquer toute jouissance pour en faire des plus-values. Partout où il y a du plaisir, partout où il y a du bonheur, partout où il y a de la jouissance à prendre, quelque part, on nous le confisque. D'une manière ou d'une autre. Et derrière tout ça, il y a de l'idéologie, il y a cette logique libérale qui fait que... Alors, c'est vrai qu'a priori, ça peut paraître un peu alambiqué, mon raisonnement. Mais si on regarde pourquoi c'est cliché, mais parce que ça a été exploité dans des films, dans des mauvais films, dans des mauvaises cartes postales, dans des mauvaises peintures. C'est-à-dire qu'on a commercialisé à fond des lieux comme ça, et on en a fait des clichés, c'est-à-dire que le mauvais goût des œuvres qui ont été réalisées à propos de ces lieux finit par déteindre sur le lieu lui-même. Alors, donc, on nous confisque, et c'est comme la pornographie, c'est la même chose. La pornographie, c'est une confiscation de la beauté du corps féminin qui fait qu'à la limite, maintenant, il suffit qu'il y ait une femme qui passe et on va penser que c'est une prostituée. Ça arrive à des hommes politiques, par exemple. Ils voient une femme passer, ils croient que c'est une prostituée, ils lui sautent dessus. Manque de peau, ben non, c'était pas une prostituée. Le système, la logique marchande du système, elle déteint partout. Elle diffuse partout.
Et moi, de la même manière, je fais des dessins érotiques, je fais des dessins avec du nu, avec des scènes sensuelles, avec des hommes et des femmes, dans des positions plus que sans ambiguïté. Mais c'est pas du tout de la pornographie. Mais moi au départ, je n'avais pas réfléchi vraiment à ça. Je faisais des dessins parce que je trouvais ça beau. Un homme, une femme, dans les bras l'un de l'autre, nu, je trouve ça très beau. J'ai fait des dessins comme ça, je les ai vendus aux États-Unis. J'ai constaté avec surprise qu'il y avait beaucoup de femmes parmi ses clients, alors que je pensais qu'a priori ce serait plutôt des hommes. Et puis on a discuté, et petit à petit, elles m'ont expliqué pourquoi elles m'achetaient ces dessins. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose qui était de nature opposée à la pornographie. Alors, quand on dit la pornographie, on sait même plus de quoi on parle. Ce qui est obscène dans la pornographie, c'est pas la nudité des corps, c'est pas l'acte sexuel, c'est le fait d'en faire un commerce et de transformer le corps en beefsteak. C'est ça qui est obscène. Alors si l'obscène confisque le corps nu, la nudité, mais alors qu'est-ce qui nous reste nous? Alors on va devenir mormon, on va être dans l'abstinence, parce que toute relation sexuelle c'est de la pornographie. C'est de la domination de l'autre, c'est de l'esclavagisme, c'est de l'asservissement. Pas du tout. Une relation amoureuse, c'est le respect mutuel, c'est la compréhension mutuelle, c'est tout le contraire de la brutalité et de la possession de l'autre. Voilà, donc en fait, par le dessin, je me réapproprie ce qu'on nous vole tous les jours. Et le sujet, ça peut être le nu, mais ça peut être aussi une place, un lieu comme ici. Déjà, si je regarde ça, je ne sais pas quoi faire. Je ne vais pas décider. Par exemple, je ne vais pas décider de faire venir un modelé avec du blanc, comme j'avais dit au début. Mais en fait, j'ai un appétit qui me vient, comme quand on fait une sauce et qu'on dit qu'il manque un peu de sucre, ou qu'il manque un peu de sel. Et là, j'ai un appétit qui me vient d'une tache de bleu de cobalt. Alors, le bleu de cobalt, ça sera du ciel. Bon, mais... voilà, et c'est un appétit d'un bleu très particulier que j'ai déjà utilisé. Un bleu de cobalt clair. Donc là, il faut que je trouve le bleu en question. Je suis pas sûr de l'avoir. Mais c'est pareil, le bleu je le vois pas, j'en ai la sensation. Ça veut dire que je vais devoir trifouiller des bleus et c'est après où j'ai pas l'image mentale du bleu. Ça marche pas comme ça. Et il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit très bleu. Là, il est trop outre-mer, il est pas assez primaire. Je pense que j'utilise peut-être ce bleu-là. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Ben là, je le reconnais. C'est le bleu que... Voilà, c'est ce bleu-là. Donc j'ai compris, il suffit que je mette du bleu de cobalt et puis ce bleu-là qui est un bleu primaire. C'est rigolo parce que ce bleu primaire, c'est une couleur horrible. Mais quand je suis allé chez le marchand, je l'ai acheté. Parce que je sentais que quelque part, un jour, c'était un ingrédient dont j'aurais besoin. Et j'essaie au maximum de mettre le ton
Quand on dit le ton, c'est la couleur dans la valeur. J'essaie au maximum de mettre le ton juste du premier coup, parce que si c'est pas le bon, si c'est pas le ton juste, on salit. Et après, on s'englue là-dedans. Et ça fait, voilà. C'est, là, je me pose, et c'est ça. C'est sûr et certain. Alors, je le reconnais parce que j'ai déjà fait ça. Je me rappelle, aux États-Unis, j'ai fait une peinture, c'était Narcisse. Et c'était une touche de bleu comme ça qui faisait voir le visage de Narcisse et son reflet dans l'eau. Donc, comme le cuisinier, l'envie qu'on a, c'est aussi un souvenir qui revient. C'est des réminiscences d'expériences, de choses qu'on a faites. Soit réussies, soit ratées. Parce que le ratage aussi, ça fournit beaucoup la mémoire. Alors, pour garder la sensation de la tâche, je la prends par son centre, par le milieu. C'est un précepte que... que donnait Delacroix. Il disait qu'il faut prendre la forme par son milieu. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'on la sent. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir lui donner sa dimension. Sachant que cette forme-là, elle aura sa dimension dans un rapport de proportion avec le reste. Donc on ne peut pas prédéterminer ni la forme, ni sa dimension. Donc il faut commencer au milieu, petit, et puis élargir. Et puis il y a un moment donné où on va sentir que c'est bon, on arrête. Alors un tableau, tant qu'on est dans la sensation juste, ça peut aller très vite. Entre le début et la fin. C'est-à-dire dans une séance, ça m'est arrivé de finir des tableaux. Par contre, dès qu'on pose une fausse note, la fausse note, pour s'en débarrasser, ça, c'est très long. C'est-à-dire que pour une malheureuse touche de travers, on va peut-être travailler une semaine. Donc c'est quand même un peu frustrant. Alors, c'est vraiment typique de la façon dont je travaille, les étapes. Pour l'instant, c'est tout à fait comme ça. C'est très représentatif. Donc là maintenant j'ai un autre appétit, c'est d'avoir une tâche ici. Parce que c'est aussi le problème de faire venir les plans. Faire venir les plans et les volumes par les vides. C'est-à-dire que si mon sujet il est là, je peux aussi construire le modelé du personnage qui est là uniquement à travers les vides. Ce qui amène un. Ce qui est intéressant parce que du coup. Ça permet de rester dans l'esquisse tout en construisant vraiment les plans et le tableau. Et alors du coup je vais essayer de faire ça. Ça marche, c'est pas forcé que ça va marcher. Ouais, un des désirs secrets, c'est d'arriver à faire le personnage le plus présent possible en faisant le moins possible. Donc évidemment, faut quand même le pour le faire apparaître, il faut quand même faire quelque chose. Et si je peux faire à côté, je préfère. Parce que ça a quelque chose de magique. On dit, bah, il n'y a rien. Et pourtant, le personnage est tellement présent. Mais c'est qu'en fait, c'est les vides qui construisent les plans. Et en plus, on est dans une logique plastique. Et pas dans une logique... d'illustration, d'imagerie, d'anecdote. Ça m'intéresse pas de raconter un personnage, de faire le 3 milliardième nu, ça n'a aucun intérêt.
contre, le faire arriver et apparaître de façon mystérieuse, comme ça, c'est intéressant. Donc dans mon travail, il y a aussi presque plus de retrait que de traits. Ouais. Le personnage, il apparaît tout en se retirant. Et comme il est en retrait, et ben, du coup, on peut l'imaginer. Et du coup, il est aussi insaisissable. C'est pas un personnage qui est exposé comme ça. C'est un peu le contraire de la pornographie. Dans la pornographie, le nu s'étale complètement. Il est vendu. C'est comme un beefsteak. Avec un prix, une étiquette. Et le corps est vraiment une sorte de image de corps esclave. Moi, mes corps, ils sont insaisissables. Et pourtant, ils sont érotiques, sensuels. Mais c'est pas des corps esclaves. Donc je travaille sur cette espèce d'apparition qui est aussi en forme de retrait.
Là, j'arrive à 54 ans et je me paye une première fonte de bronze. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire des sculptures. J'ai toujours eu un désir, mais physique, de faire du bronze. Et c'est tout simplement aussi parce que dans la famille, on a toujours été là-dedans. Le grand-père, il faisait de la médaille en bronze, il éditait du bronze. Mais disons que c'était quand même le talent de mon oncle, c'était d'un côté ça m'a aidé à comprendre des choses, mais d'un autre côté c'était quand même un peu une castration, parce qu'il n'y avait pas de place pour un autre sculpteur dans la maison. Quand il y a un membre de l'institut dans la maison, imaginez. Donc entre mon père qui était grand professeur émérite et mon oncle membre de l'institut, c'était lourd. Je suis très content d'un petit détail. La chevelure, la tête. Donc là, la tête est très présente, mais on voit pas de visage. Et j'ai pas mal travaillé déjà la texture des cheveux. Parce qu'on est en sculpture, enfin, dans le type de sculpture que je fais, il ne s'agit pas de faire de la sculpture narrative, figurative, réaliste, etc. Il s'agit de trouver des moyens de traduire, de traduction. Donc là, le titre, la sculpture, c'est Écho. Écho, c'est la nymphe qui se transforme en rocher. Parce que elle est amoureuse de Narcisse, et Narcisse n'a Dieu que pour lui-même. Donc au moment où Narcisse tombe dans l'eau et meurt, Écho, elle, devient un rocher. Donc elle se transforme. Et cette sculpture, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à la fois l'évocation du physique sensuel d'une femme. Mais en même temps, au niveau matière, c'est y a un décalage. Donc les cheveux ne donnent pas l'impression de quelque chose de soyeux, de souple. Il y a une masse, il y a une densité de la chevelure qui ne correspond pas à des vrais cheveux. Mais il faut aussi que ça fasse des cheveux. On voit pas son visage. Et alors là, un petit détail, mais voilà le vide qu'il y a là. Bon, ce petit détail, j'ai travaillé sur ce petit détail peut-être autant que sur l'ensemble de la sculpture. C'est ça la sculpture. Il y a une maturation très lente. On part du centre et petit à petit on va vers l'extérieur. Mais là j'ai travaillé sans modèle et c'est une c'est un travail donc de mémoire, et ça n'est pas une femme en particulier. Je retrouve des éléments de plusieurs femmes que je connais. C'est un personnage inventé. Et un truc qui m'a plu, quand je suis allé chez le fondeur, il y a des ouvrières qui travaillent là pour faire les moulages, pour faire la patine, pour faire la ciselure. Et c'est des praticiens qui se prétendent pas artistes, mais qui ont un sens artistique. Et quand elles ont vu le modèle qui était en cire, elles ont été frappées, les filles, par le petit ventre. J'ai voulu faire une femme qui soit une vraie femme. J'ai dit tout à l'heure un truc. J'ai dit que vers la fin, il y a le métier qui allait revenir. Et ça arrive là. Je suis fatigué là. Je veux le finir. Mais ça cafouille par là. Et je regarde, il n'y a pas de zone de repos. Dans un tableau c'est comme un jardin. Il faut qu'il y ait des zones de tension, de dynamisme, il faut qu'on puisse se promener, il faut que ça soit vivant, animé, etc. Mais si c'est
trop touffu, si c'est animé partout, ça devient illisible. Donc pour que les zones d'animation fonctionnent bien, par exemple typiquement ça c'est une zone d'animation forte, si je veux la faire fonctionner au mieux, il ne faut pas que je répète cette animation ici, parce que je vais l'affaiblir. Et ça ne sert à rien. Typiquement, quand on fait de la peinture, on fait pas, c'est pas de la fanfare. C'est pas le pom, 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 pom tout le temps. Donc là, il y a un accent fort, pom. Et là, il faut que ça se repose et que l'œil puisse se reposer ici pour mieux apprécier l'animation qui est là. Là, il y en a trop. C'est trop partout animé. Donc, j'ai pas la sensation, mais je sais que il faut des gens. Je vais en faire une là. Évidemment, je la fais là où j'ai un problème. Je vais pas la faire là. Ça fonctionne. Et donc, je passais des journées entières au musée Bourdelle à faire des grands dessins sur des formats à raisin comme ça. Et mon oncle m'avait quand même conseillé des papiers, la sanguine. Je me rappelle, il m'avait conseillé un papier qu'il utilisait lui. C'était le rosé muraille. Je me rappelle. Un papier avec un petit peu avec des mouchetés de vermillon. Et il m'avait critiqué mes dessins en me disant qu'il fallait partir du centre. C'est ce que Delacroix disait aussi, prendre la forme par le milieu. Qui est dans la logique de l'enseignement de Bourdelle aussi, de ce qu'il a fait. Donc en fait, on part du milieu, du centre, et on va vers l'extérieur. Et quand on travaille avec Lucie, elle est exactement dans les mêmes types d'approches. Du mouvement de son corps dans l'espace. Donc c'était sympa hier d'avoir Lucie Robier, danseuse et chorégraphe, qui dansait pour moi, sachant que à une certaine époque, je ne sais pas si Isadora Duncan est venue danser dans l'atelier de Bourdelle, mais en tout cas ce que je sais c'est que Bourdelle et Rodin ont dessiné Isadora Duncan, peut-être que je crois que c'était plutôt dans l'atelier de Rodin. Et en même temps, je me dis, c'est ces choses qui se répètent. Alors, je dis modestement, je me prends pas pour Rodin. Hein. Mais ça n'a pas d'importance. On peut refaire en plus petit. Il n'y a pas de problème de taille. En sculpture, c'est pareil. Il y a des petites choses qui peuvent être grandes, des grandes choses qui peuvent être petites. Même Bourdelle, d'ailleurs, ça se voit. Il a fait des trucs monumentaux, c'est affreux. Donc, si c'est moche, c'est tout petit. Et il a fait des tout petites choses qui sont des chefs-d'œuvre. Alors, le bronze aussi, c'est un matériau noble. C'est magique, quoi, ça, le bruit que ça fait. Quand on le touche, ça prend la chaleur de la main. Alors c'est marrant parce que il y a beaucoup de compétences pour arriver à sortir un truc comme ça. Ça, cette pièce-là, je l'ai commencée au mois de décembre, elle a été finie au mois de mai. Ça veut dire décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 6 mois. D'abord le modelage en cire, après le fondeur a fait un moule, a fait une épreuve en cire creuse, parce qu'il faut que ça soit creux, là-dedans c'est creux. La cire a été corrigée plusieurs fois, celle que j'avais faite, mais le modèle qu'ils ont fait aussi, je l'ai corrigé, y compris chez le fondeur, en travaillant avec les metteurs au point de la fonderie, en discutant, parce qu'ils ont des compétences évidentes, quoi. Et notamment, j'ai pas mal discuté avec une des filles qui travaille là-bas pour le problème de ce vide-là. Et puis, après, enfin, le moment magique, ça sort de la fonderie, la pièce en bronze. Et quand elle sort, elle est toute comme ça. C'est-à-dire qu'elle est le bronze
non patiné, ça ressemble à du cuivre, parce qu'il y a beaucoup de cuivre dedans. Alors ça fait bizarre de voir ce truc très clinquant. Et puis, on passe à la ciselure, c'est-à-dire qu'on va effacer les défauts, les marques de la fonderie. Puisque le système c'est un système de fonte à cire perdue, donc il y a des petits étons qui servent à conduire le bronze. Donc quand la pièce sort de la fonte, il y a des petites choses à enlever. Donc c'est la ciselure qui consiste à refaire toute la surface de la pièce telle que le modelage original l'était. Et puis une fois que la surface est faite, alors c'est intéressant parce que du coup, le sculpteur, on peut intervenir à toutes les étapes et faire des modifications. Donc moi j'ai déjà travaillé, fait la ciselure moi-même et j'ai modifié la pièce. Parce que le bronze, en fait, c'est un matériau souple, qui est extraordinaire à travailler. Alors, le problème, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, une pièce comme ça, ça coûte cher à faire fondre. C'est-à-dire que pour un sculpteur, c'est un investissement. Donc, quand on est fauché, on ne fait pas du bronze. Et je pense qu'il y a ça qui fait que, quelque part, j'ai toujours voulu faire du bronze, mais j'en ai pas fait... Ou alors j'ai fait des toutes petites choses. J'en ai une là. Ça, c'est une pièce que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Il y a 10-11 ans, j'ai fait ça. J'avais fait ça dans ma cuisine. Voilà. Donc, je l'avais montré à mon oncle. Et là, mon oncle m'avait fait un compliment. C'est le seul compliment qu'il m'ait jamais fait d'ailleurs. Il m'a dit que c'était une jolie esquisse. Donc j'aurais eu quand même dans ma vie au moins un compliment de mon oncle. Ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, on est arrivé à une étape particulière. C'est que là, il n'y a plus de règles. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de métier pour s'en sortir. C'est la seule règle qu'il y a, c'est Chardin qui l'a résumé en disant « j'en remets jusqu'à ce que ça fasse bien ». C'est-à-dire que c'est complètement à tâtons, il faut essayer les trucs. Et alors, par exemple, ça, c'est très très bon. Ça. Mais dire pourquoi, je sais pas. En tout cas, ça fonctionne très bien avec ça. C'est de même nature d'ailleurs. Le bras, il peut être très long, donc il est difforme, mais c'est aussi un bras qui s'articule avec l'espace autour, donc ça, ça me convient bien, et qui me fait pas aimer cette jambe-là. Cette jambe, elle m'emmerde depuis le début. Bon, celle-là, elle va, tout ça, ça va, et puis il y a cette jambe-là qui colle pas. Donc, bon. Donc ce que je veux dire, c'est que là il n'y a plus de truc, il n'y a plus de métier, il n'y a plus rien, on est vraiment complète comme un débutant quoi. Là je me retrouve comme un débutant à tâtons, mais je sais quand même qu'à la fin il y aura aussi parce que l'habitude, j'en ai fait tellement, quand on a fait plusieurs milliers de tableaux, on a quand même des souvenirs quoi. Et je sais d'avance que vers la fin il y aura sans doute aussi recours au métier pour boucler le truc, quoi. Donc là, déjà, ce que je sens, c'est que tout ça, le rapport entre la verdure et le ciel, là, je peux avoir plus de ciel, et je peux en plus avoir une oblique comme ça. Donc ça va faire ça va être beau, cette oblique-là, qui va reprendre le bras. Tac, tac. Et je le vois maintenant apparaître, alors qu'au début, je ne voyais pas du tout. Donc, ça montre aussi qu'il faut savoir attendre et ne pas faire les choses avant qu'elles se fassent désirer. Là, le ciel, il se fait désirer pour moi. Le travail du peintre, c'est quand même aussi un travail solitaire. Donc, ça veut dire qu'on est tout seul, on a besoin d'être tout seul. Et du coup, on a aussi après, à un moment donné, besoin de faire une pause, de se plonger dans la foule.
Et ici, c'est... J'adore ce lieu parce que c'est vraiment le café parisien, comme dans le temps. En plus, j'apprécie le professionnalisme des gens. Tous les gens qui sont des pros, j'adore. Parce que moi, c'est des valeurs que j'ai moi. Dans mon boulot, je veux être un pro, et je veux être un pro dans la façon dont j'emballe les bidules, dans la façon dont je vais expédier un truc, dans les temps. Ça peut paraître dérisoire, mais je suis très fier de ces petites choses. En général, les artistes, ils vont mettre un point d'honneur à être désinvolte, à envoyer les trucs en retard, mal emballé. Oh, formidable, un tel, il envoie les trucs, il y a un trou dedans quand ça arrive, il n'y en a rien à foutre. Tout le monde trouve ça génial. Je pourrais être comme ça. Ça me plaît pas. Donc je crois que j'ai un... Je crois aussi c'est un côté très terre à terre et qui m'équilibre dans ma vie. Puisque la peinture, ça part dans tous les sens quand même, ces trucs. Et d'avoir un espèce de truc avec des routines où il faut être précis, très terre à terre, faire la facture, mettre la facture dans le truc, ne pas oublier d'avoir signé le bidule, tout un tas de petites choses comme ça, ça me repose. Donc on peut pas être 24 heures sur 24 en phase de création, on deviendrait fou. Et donc je viens ici, et là, c'est très convivial, il y a le côté village, tout le monde se connaît, on mange super bien en plus. Il y a le côté village, c'est-à-dire que Serge dit Michel, vous avez oublié votre chapeau, on vous l'a mis de côté. Je peux oublier mon portefeuille, il n'y a pas de problème. J'ai pas de sous, Serge, vous pouvez me mettre ça pour eux. Bien sûr. Et puis, donc je me sens chez moi ici. Et puis après, il y a sur le plan visuel, c'est un spectacle. Moi j'adore. Hier, je suis arrivé, je suis resté plus d'une heure, j'ai vu. Parce que c'est le rush à midi, il y a plein de gens qui viennent manger. Et hier, ça a été, ils ont été surbookés complètement. Donc je m'étais installé sur une table là-bas au bout et j'ai regardé. Et j'étais là au début quand les gens ont commencé à arriver. Le moment où c'était le débordement, il y avait des gens qui partout, on ne savait plus les asseoir et tout ça. Jusqu'à la fin où tout le monde est parti et je me suis retrouvé tout seul avec Serge, Marie et Linda. Donc c'est un spectacle, c'est comme un spectacle de théâtre. Et tous les jours, il y a une nouvelle représentation et c'est de l'improvisation. Et tout le monde joue et enfin, c'est très marrant. Moi, pour moi, les cafés parisiens, c'est un truc terrible. On trouve pas ça ailleurs. Je crois que je vais y arriver. Et je sais que je vais y arriver parce que c'est pas que j'analyse, c'est que j'ai du bonheur qui arrive. Je sens comme une naissance. Et à ce personnage qui était de dos et puis qui se retourne à un moment donné. C'est marrant quoi, c'est même incroyable.
ça me plaît. Là, la position. Alors là, la position, elle est super. Puis, c'est bizarre parce que c'est. C'est très. Ça correspond vraiment à la danse. Parce que le mieux aussi est l'ennemi du bien.